Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Capricorne, signe de terre. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Capricorne? Est-ce qu'on a besoin de prendre un rendez-vous avec le médecin? Qui est médecin? Qui est patient, patiente? Capricorne, continuons. Embarrassé. Qu'est-ce qui nous embarrasse? On aurait besoin de soutien. Soutien, soutien. On a besoin d'aide. C'est la carte qui peut représenter l'aide psychologique. Soutien aussi, parce qu'on a besoin de soins, on a besoin d'aide. On rencontre un spécialiste de la santé. Qu'est-ce qui nous embarrasse? Le fait d'avouer d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de soutien. Continuons. Capricorne, signe de terre. La carte de l'univers. Continuons. C'est la carte de l'accomplissement. Être arrivé à la destination. Capricorne. Embarrassé, soutien, voyage. Est-ce qu'on a besoin ici de se déplacer? Continuons. Capricorne. Mécontentement et ennui. Capricorne. Mouvement positif vers l'avant. Choisir avec sagesse. Changement financier et matériel. Donc là, ici, avec la carte de l'univers, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est une carte de réussite. Je réussis ce que j'entreprends, j'atteins mon objectif. On a commencé avec embarrassé et soutien, et on rencontre le médecin,
embarrassé? Qui est embarrassé ici? Qui a besoin de soutien? Mécontentement et ennui, je vais le clarifier tout de suite. La carte de la fleur. La fleur. C'est une carte qui exprime la joie, les sentiments, les beaux sentiments. C'est une carte d'épanouissement. Avec la carte mécontentement et ennui, c'est comme si je ne pouvais pas m'épanouir. Je tourne en rond. Je sais que je dois opérer un changement. Mouvement positif vers l'avant. C'est la carte qui bouge, qui avance. Il y a un dégagement ici avec la carte mouvement positif vers l'avant. Un changement, on avance. La carte de la justice. On a clarifié une situation. Mouvement positif vers l'avant. C'est la carte qui exprime aussi la paix. La carte de la justice. La fin des disputes. Donc là, ici, mouvement positif vers l'avant. On avance. La carte de la justice me parle de la fin des conflits. La fin d'un conflit. On avance vers quelque chose de beaucoup plus léger. Choisir avec sagesse, qu'est-ce qu'on veut me dire? Plusieurs possibilités devant soi. Je peux recevoir aussi des conseils. Mais là, ici, c'est la carte embarrassée qui me préoccupe. Je vais la visiter tout de suite. Pourquoi embarrasser? Je vais prendre... Bon, on m'a montré tantôt le soutien, comme quoi on avait besoin d'aide pour réussir quelque chose. On va vers l'avant avec la carte de la justice. Embarrasser pour quelle raison? Destinée, c'est la carte qui me parle d'un changement. Oser ouvrir une nouvelle porte. On aurait besoin d'aide ici pour trouver une solution. La carte de la destinée nous parle de ça aussi. Du fait de trouver une solution. Donc, on a besoin d'aide pour trouver une solution à un problème. C'est la carte qui m'invite à ouvrir une nouvelle porte. Changer quelque chose pour mettre fin à ce qui m'embarrasse, pour résoudre une situation. Mécontentement et ennui, c'est la carte qui exprime une insatisfaction. On tourne en rond. C'est comme si on était malheureux ou malheureuse. La carte de la fleur me parle de la joie. Mouvement positif vers l'avant, il y a allègement. Justice qui vient clarifier une situation. Mettre fin à une dispute, à un conflit, peut-être interne aussi. Un conflit avec soi-même. C'est comme si on voulait opérer un changement, mais qu'on avait besoin de soutien. On voit le médecin, mais on peut nous parler aussi, ça dépend, si on nous parle de soutien psychologique, un spécialiste de la santé qui peut nous accompagner à opérer un changement.
Parce qu'ici, il y a insatisfaction. On dirait qu'on a de la difficulté à... On dirait qu'on est malheureux, malheureuse avec la carte mécontentement et ennui. Ici, on va clarifier. Choisir avec sagesse. Ici, je pense qu'on a besoin de soutien pour opérer un changement. C'est embarrassant de demander de l'aide. Mais on semble en avoir besoin. Choisir avec sagesse. La carte de la passion. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui stimule la vie en moi? Avec la carte de la sagesse, il y a plusieurs possibilités. Choisir avec sagesse. Et la carte de la passion, elle nous dit qu'est-ce qui te tente? De quoi as-tu le goût? Bon, on peut avoir toutes sortes de conseils, recevoir toutes sortes de conseils, mais ici la carte de la passion me dit toi, qu'est-ce que tu veux? Reviens à toi, prends le temps de revenir à toi. Ici, c'est la carte du changement financier et matériel. Donc, c'est une décision qui entraîne un changement sur le plan financier, matériel. Et la carte de la récompense. Donc, pour moi, c'est un gain. On peut perdre sur un plan et gagner sur un autre. Ici, c'est comme si on était malheureux, malheureuse. Donc, on va chercher de l'aide. Ça nous embarrasse, je pense, de demander de l'aide. Pour opérer un changement, ici, avec la carte de la justice et le mouvement positif vers l'avant, on dirait qu'on laisse derrière soi là, les problèmes. On a réglé, d'après moi. On a réglé une situation. Ici, on choisit plusieurs possibilités. On est encouragé à choisir ce qui stimule la vie à l'intérieur de soi. Parce qu'ici, on dirait qu'on est éteinte. Mécontentement et ennui. La carte de la fleur me rappelle l'importance de la joie, me fait réfléchir à savoir est-ce que je suis en joie, est-ce que j'ai de la joie en cette situation. Ici, il y a fin d'un conflit, il y a quelque chose qui se règle. Univers, on va la clarifier, c'est la carte qui exprime l'achèvement de quelque chose, une libération. La réussite, la paix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte de l'univers? Conflit mental. C'est la carte qui nous parle de quoi? De l'incapacité d'agir, anxiété. En lien avec la carte de l'univers. L'univers représente aussi la fin d'un cycle. C'est comme si on voulait passer à autre chose avec la carte de la destinée. On veut opérer un changement, mais on vit beaucoup d'anxiété, peur de l'inconnu ici, incapacité d'agir. Est-ce qu'on va se libérer avec la carte de l'univers? En tout cas, ici, on se libère avec la carte de la justice et mouvement positif vers l'avant. Avec la carte de la justice, il y avait conflit, chaos, mésentente.
conflit intérieur peut-être aussi. Ici, on pourrait parler d'un thérapeute, un psy qui vient nous aider à clarifier ici. Un conflit intérieur. On veut s'alléger le cœur. On va chercher de l'aide ici. Pour opérer un changement, on dirait qu'on n'est plus sur notre track, sur notre voie, avec la carte mécontentement et ennui. On a plusieurs possibilités devant soi. On nous encourage à prendre la direction, à faire le choix qui stimule la joie, la vie à l'intérieur de soi. Ici, il peut y avoir une perte sur un plan et un gain sur l'autre. Donc, il va y avoir équilibre. Conflit mental, anxiété, peur d'agir. Univers, c'est la carte de l'achèvement, libération, la fin d'un cycle. On a comme de la difficulté ici, on dirait, à oser pousser la porte, oser aller vers un changement. C'est la peur, c'est l'anxiété qui est présente. C'est pour ça qu'on nous parle du soutien. On a besoin de soutien pour opérer ce changement. Succès triomphal, c'est un nouveau défi. C'est la carte de l'épée qui vient trancher. Elle me fait penser à la carte de la justice. On tranche, on se libère d'une situation. C'est la carte de la vérité. C'est la carte qui exprime le nouveau défi excitant. On fait preuve de courage avec l'épée. Courage et détermination. On coupe. On prend une décision ici. L'épée nous libère ici de nos chaînes. Viens couper les chaînes qui nous retenaient. Ici, mouvement positif vers l'avant. C'est comme si on était en train ici d'arriver à la fin d'une étape, la fin d'un cycle. On est en train de clarifier quelque chose en soi. On a besoin de soutien. On a besoin d'aide pour cette transition. Étant donné que j'ai la carte conflit mental, oui, confusion, agitation, peur, anxiété, réussite. On va réussir ici à opérer le changement souhaité. Parce qu'ici, on n'a pas le cœur en joie. C'est l'insatisfaction. D'après moi, on va réussir à mettre, à clarifier un conflit intérieur avec de l'aide, avec du soutien. Alors voilà, je vais prendre une pause ici. Je vous souhaite une belle journée, signe du Capricorne.